Merci beaucoup amis téléspectateurs de Tassar TV. Merci jere ngeen jeuf ci tiawlu bi. Alors nous sommes en tout cas à quelques jours li nga xamné moy moy goudi ndana ni nga waxé gaay ni nga waxé goudi ndana ni goudi xamné moy le maestro et vécanté le prince de la Cora. Alors lo tax tay ñeu au niveau de Sijar fasiné def ben émission waxtan ak mom limi wajalé li nga xamné mom moy spectacle bobu non parce que nala que ni sera l'apothéose, ce sera en tout cas dans sa plus grande forme l'artiste vécanté le prince de la Cora. Vieux salam alaykoum. Barkou salam baba. Alors vieux temps yeb yaangi ci li nga do mo tournage du clip d'abord déjà yaangi ci enregistrement yi album presque parena mais temps yi ci lan nga nek également temps yi actuellement c'est ma préparation moy li d'abord la nuit des bassins ak préparation sama album bi à Dakar lolu la nek pour le moment mais sama priorité d'abord c'est ma soirée là d'abord la nuit des bassins d'abord j'ai devant toute la population de Kolda et toutes les grandes dames de Kolda, tous les autorités de la région de Kolda, c'est ça ma priorité pour le moment, pour l'instant. Alors, vu un artiste qui a fait différents pays, mais aussi différentes régions du Sénégal, un artiste aimé par les Koldois, alors vu un peu de son cursus, le début de vie, comment ça a été, alors on a vu la collaboration avec beaucoup d'artistes, comment est né en tant que vie est né en tant qu'artiste? Oui, Baba, quand tu me poses la question, je serais très content. J'ai commencé la musique à l'âge de 8 ans. J'étais à l'école. Je suis allé au CM1, j'étais renvoyé avec mon maître. Il dit que quand tu amènes la kora et tu sors, c'est là où je suis sorti. Je suis allé, mon oncle m'a amené à l'école des arts, cours du soir, cours du soir, cours du soir. Comment accorder un instrument moderne et traditionnel? Donc, si la japonienne ou fille, j'ai appris à jouer à la kora avec un homme qui battait à 6 kilos. Ni là, ni là, 2 ans, j'ai pu jouer à la kora, après en formation au Mali, hein, traditionnel, maintenant au Sénégal. J'ai formé mon petit groupe kora avec 2 tam-tam. Vieux, c'est comme ça que Kolda m'a fait un vieux. Un peu mon parcours musical, c'est ça quoi. Bon, j'avais pas mal de trucs, pas mal de trucs dans la musique, il faut que ça arrive. Je n'ai pas de soutien tellement, mais quand même, je me battais toujours. Parce que moi, j'ai dit que dans la vie, il faut se battre. Il faut se battre. Mais quand même, mon public est à Kolda ici, ça veut dire c'est Kolda. Tout ce que j'ai, c'est Kolda qui m'a donné. Mon inspiration vient de Kolda. Même si je vais à Dakar, si je veux m'inspirer, c'est l'inspiration de Kolda que je prends pour créer une musique. Alors, vous gardez les mêmes relations avec vos amis, vos anciens amis. On a même vu lorsque nous avons en tout cas fait la publicité, les gens ont appelé en tout cas pour joindre à cette soirée. Alors, est-ce que les gens, qu'est-ce qui a permis en tout cas que vous avez en tout cas gardé ces relations avec ces gens-là qui vous suivent chaque fois que vous organisez quelque chose? L'artiste doit être simple dans la vie. L'artiste, toi, tu n'as rien, tu n'as que ton public. Quand tu fais des concerts, c'est les gens qui viennent acheter leur billet et rentrer. Hein? Quand il y a des gratte-ciel, c'est les gens qui t'ont donné. C'est les gens qui t'ont donné des voitures. Donc il faut toujours apprendre à rester derrière ces gens-là. C'est les gens-là qui sont tout de toi aujourd'hui. Ton bonheur, c'est ton public. Ta vie, c'est tes amis. Ton avenir, c'est tes amis. Donc l'artiste, c'est toujours comme ça. Baba Tembo, raison pour laquelle le contact là est entre mes amis est là, le respect d'abord. On ne se sépare jamais, mon public et moi, on ne se sépare pas. C'est la confiance qui est entre Vieux Canoté et son public. Alors j'ai envie de poser une question, oui? La question est que, alors le symbole de la Kora, qu'est-ce qu'il symbolise en tout cas? La Kora, il y a quoi dedans en fait? C'est quoi en fait? Baba Tembo, chaque fois que vous la tapez, ça fait rêver quelque chose Oui, Baba Tembo, la Kora, c'est un peu critique. Parce qu'il faut pouvoir la jouer. Il faut savoir faire parler la Kora. Ton instrument, c'est pas seulement aller dans les baptêmes, mariage et revenir garer ta Kora. Non, il faut travailler. Il faut beaucoup travailler. L'inspiration de la Kora est là-bas. Il y a le secret de la Kora. Il y a la connaissance de la Kora. Parce que la Kora a 3 accords à l'époque au Mandin. On dit le Tomora, le Sauta, le Silaba. Les Blancs disent le Do, le Ré, le Mi. Et eux, ils sont partis Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Nous, on est restés seulement dans les 3 accords. Pourquoi pas avancer? Il faut travailler l'instrument. Il faut travailler la Kora. La Kora, c'est à travailler. Moi, la raison pour laquelle, aujourd'hui, la Kora que j'ai aujourd'hui,
Papa, quand tu vas chez moi, là où il est, tu as dit non. Mon maître m'a dit, il ne faut jamais faire taper ta kora avec un bâton comme ça, les femmes dansent. Mon maître m'a dit, et respecte ta kora va te respecter un jour. Parce que c'est la communication entre la kora et moi, on se parle. On se parle, chaque matin on se parle. Il y a une communication qui est là. Si je joue à ma kora, la kora me répond. Oui, il y a une communication. C'est mon instrument à moi. Donc il y a une communication entre la kora et moi que vous ne pouvez pas connaître. Alors auparavant, on sentait la musique mandin, elle était limitée dans le foyer mandin. Oui. Mais en nos jours, on voit que toutes les communautés se sont intéressées à la musique mandin. Oui. Alors qu'est-ce qui est en tout cas original et qui s'est préservé dans cette musique de mandin? Oui, ça veut dire que la culture est très vaste. Ok. La culture est vaste. Tu peux jouer le folklore mandin, hein, et associer là-bas la langue poêle. Okay. La langue Wolof, la langue Diago, la langue Balante. Tu peux même associer ça dans ta musique mandingue. Et ça va avec. Parce que la musique mandingue est universelle. C'est vraiment vaste, c'est universel. Ça peut aller avec n'importe quelle langue si tu sais le faire. Mais si tu ne sais pas le faire, tu vas t'étonner tout le temps, tu vas t'étonner. C'est comme ça. Il y a un secret dans la musique. Un grand secret, alors vous voyez. Hein? Alors, amis téléspectateurs de Tassac TV, vous suivez en tout cas l'émission spéciale réservée pour la nuit du bassin. Alors, une nuit en tout cas pour les grands messieurs de Kolda et les grandes dames de Kolda. Et vous sachez également, Vie a rendu hommage en tout cas à toutes les femmes et le groupement de Kolda. Mais Vie, une personnalité en tout cas qui a le link, qui a des rapports avec les dames, hein, les groupements, Vie avec les hommes de développement de Kolda. Qu'est-ce qui explique cette approche avec lui? Oui, mais bon, je t'ai dit tantôt, Baba, il faut être bien avec les gens. Il faut être poli avec les gens. Il faut sourire avec les gens. L'artiste, c'est toujours comme ça. L'artiste, notre premier article, c'est quoi? Être sentimental, d'abord, un. Rester derrière les gens. Mon public et moi, le groupement des femmes qui sont à Kolda, c'est mes amis. Depuis Siki de Doumassou, quartier Bounas, Sarekemo, Gadapara, tous les quartiers de Kolda presque. Tous les quartiers de Kolda, c'est mes amis. Toutes les femmes de Kolda, c'est mes amis. C'est mes partenaires. C'est mes partenaires. C'est tout ce jour-là, je les ai dit qu'ils n'ont qu'à venir en masse. Parce qu'il y aura tout ici ce jour-là. Il y aura ces surprises-là que moi-même, je ne sais pas. Donc c'est ça. Je suis en blouson parce que c'est un parcours combattant. Hein? Alors, le comeback de Tony dans le groupe. Tony. Le Tony qu'on connaissait à l'époque de l'Orchestre régional de Kolda. Alors, le comeback de Tony, le bassiste Zadou, alors manager en tant que bassiste. On voit en tout cas une nouvelle génération qui arrive pour la soirée. Alors, expliquez-nous, qu'est-ce que vous préparez à... Ces grands professionnels-là qui seront là, c'est mon équipe aussi à Dakar. Zatou a formé un orchestre à Dakar. On est là. Le clavier sera là. Tony, c'est un Koldois. C'est le meilleur batteur aujourd'hui. Presque. C'est le meilleur aujourd'hui au Sénégal. Issoudou a besoin de lui. Hein, Omar Penn a besoin de lui. Bab Mal a besoin de lui. Et c'est lui qui sera là ce jour-là à la batterie. Zatou sera à la guitare basse. Et voilà. Donc, il y a un claviste qui vient. Un professeur de l'école des arts aussi qui sera là. Voilà. Donc, il n'y aura que des grands ce jour-là. Il y aura que des maestros ce jour-là. Ça va être grave. Ça va être grave. Ça va être grave. Ça va être grave. Et moi, chaque nuit, je répète individuellement, je répète en groupe, je répète avec eux, jusqu'à 1h du matin, 2h du matin. Tout le temps, on travaille. Alors, le temps de regarder le spot publicitaire, en tout cas pour la soirée Nuit du Bassin, qui aura lieu au César de Kolda. Alors, le temps de revenir sur le plateau, continuer à vivre qualité, la place de la Kora. Comme on l'avait dit, regardez bien ces spots-là. Regardez également les hommes valeurs et les femmes qui ont de la valeur, qui s'y trouvent dans cet espace de publicitaire dans un instant. Attention, mesdames et messieurs, retenez, y'a plein de soundanani. Ah, Damani, retenez bien, Lili Bosundanani, nous du bassin, le lendemain de la Tabaski. Ah, Damani, Nakonye Poadjal. Sous le haut patronage de monsieur El Hach Mambo Diaoud, madame l'honorable député Koumba Baldé, monsieur l'honorable Mortal Ndiaye, monsieur l'honorable député Sana Kande, monsieur Bamol Baldé, présent du mouvement APS. Ah, Moki, y'a plein de goudi du goudi nanani. Le parrain, monsieur Abdourahmane Baldé.
Didoura, président du mouvement MKD, Monsieur Habib Ndiaye, président de l'AIC Plateau de Kolda, Monsieur Moustapha Baldé, homme d'affaires, Monsieur Sana Sané, chargé d'évaluation et de suivi de la zone agri. Ah, Mokyi, Lumuner, Ner, Tigénikan Bok, Madame Awa Baldé, présidente de Yaifal de AB, Madame Astou Boiro, la Linguère de Moussa Baldé, Madame Ina Seydi, responsable des étudiants de Dakar. Dana Amaï Soupli Subaré, Djaplé Koni Mokyi, le Pestro Kora, du fasciné de l'ONUKOL, de pour groupement, il est dans le Kolda, Waitam, à qui pour Khamtini, dans la douche de l'Ojo, qui est devant le Kolda. Ah, de Mani, Boukendes, Ndaknip, nous fassions d'Adjakolo avec le Pestro Kora. Quand on a grand débuté, le lendemain de la Tabaski, il doit nous siéger le Kolda, Nakonip Boutsi, Ndakangen, réservation du GDF, qui est 33 996 03 47, Ngen Dali Bokchi Bobo le soir. Fatima Zagra, Fama. Alors, merci beaucoup, merci. Alors, on va revenir après avoir regardé l'espoir publicitaire. Alors, vieux Mambo Diao, sous le patronat de Mambo Diao, relations et quoi d'autre qu'on peut parler comment dirais-je, de Mamoul Baldé, on peut parler également de Mortal Ndiaye, Koumba Baldé, Astou Boiro, hein, des gens qui ont en tout cas marqué les générations. L'histoire avec ces gens-là est vieille Canoté. Oui, tu sais, vieux Canoté, je suis un grieur de la région aujourd'hui. Mais par contre, comme tu me parles de Mambo Diao, je ne peux pas payer Mambo Diao dans ma vie. Tout ce qu'il m'a fait, tout ce qu'il m'a aidé, c'est lui qui m'a lancé, il m'a poussé dans ma musique aujourd'hui. Le clip qu'il a tourné là aujourd'hui, c'est une valeur de 3 millions et quelques, il faut le dire. Il n'aime pas qu'on le dise, mais moi c'est un griot, c'est ma bouche qui m'appartient. Mm-hmm. Il faut que je le dise, mm-hmm. Je ne peux pas me taire, c'est pas possible. Mm-hmm. Même s'il me dit tais-toi, mais moi je ne peux pas me taire. L'album qu'il a financé, les 7 titres qu'il a financé, hein, ça aussi c'était des millions. Tu as vu? Bon, le matériel qu'il a acheté aussi, pour moi, c'est des millions. Donc je lui remercie infiniment que j'ai une très longue vie, beaucoup de bonheur et beaucoup de santé. C'est la relation là qui est entre Mambo Diao et moi. Et surtout sa femme qui s'appelle Mama Diadjou, une dame de fer, une très grande dame de cœur. Mais est-ce que des fois tu répètes avec Mambo Diao? J'ai vu un spectacle là où tu chantais, lui chantait. Mais comment ça se passe? Ça veut dire qu'il parcourise tous mes sangs, sans son. Il parcourise tout. Ça veut dire que si quelqu'un t'aime au fond de son cœur, quelqu'un t'aime au fond de son cœur, tout ce que tu fais te suit. Tout ce que tu chantes, il sait le chanter aussi. Parce qu'il m'a mis dans son cœur. La personne m'a aimé au fond de son cœur. Et vraiment, je le remercie infiniment. Mais Dieu lui paiera. Dieu lui paiera. Dieu ne crédit pas, il sait payer la personne. Alors, j'ai assisté à un de vos spectacles dans un meeting d'une dame, je vous nommais, à Soubarou. Les gens n'avaient même pas envie de que le meeting... Voilà, on devrait en tout cas... Voilà, ils ont dit, viens maintenant, arrête. Parce que là, quand tu continues, les gens ne pourront même pas parler. Alors, le link avec... Parce qu'on a vu, en tout cas, il y avait beaucoup de groupements de femmes. Oui, toutes ces dames-là, surtout à Soubarou, une dame de fer que j'ai dit à Kolda. Donc, c'est une femme bien... Elle est gentille, elle est courageuse, hein? Elle est souriante. Elle aime tout le monde. Asboaro n'a pas de frontières avec sa population. Asboaro. Pour le Dogata, pour le Hulata, pour le Diamanta Gatché. Quand on est Asboaro, quand on est pour le Hersaï, on est Asboaro. Là où vous aurez en tout cas tout ce qui est ticket pré-vente, vous aurez les numéros là où je viens pour faire vos réservations. Vieux Canoté promet également de vous donner en exclusivité en tout cas les premières notifications de l'album, parce que nous préparons l'album de Vieux Canoté et que vous serez les premiers à découvrir ce qui est dans cet album là. Alors nous aurons en tout cas l'occasion de vous donner en tout cas l'aperçu de l'album. Combien de titres à l'instant? On a fait 7 titres. Actuellement, c'est un clip qui est en train de tourner parce que c'est normal comme ça. C'est, le clip là, ça s'appelle Kaira. Kaira, Kaira, ça, c'est la paix. C'est la paix dans le monde que je cherche. La paix entre les gens. La paix entre nos hommes. La paix dans notre casamance, notre verte casamance. Ce que je veux. C'est alors, ça s'appelle Kaira. Vous l'avez découvert également dans l'espoir publicitaire, le son d'Amba. Voilà, peut-être vous avez en tout cas le temps de découvrir ce morceau-là, le morceau que vous nous avez envoyé pour l'espoir. Oui, le morceau-là, ça aussi, je l'ai créé chez moi seulement. Je l'ai créé, je n'ai pas envoyé mon album parce que mon album doit sortir. Donc, j'ai publicitaire, là, ça, j'ai envoyé. Je l'ai créé chez moi dans 2 jours et je l'ai enregistré. Donc, pour Elias. C'est pour Elias, c'est quelqu'un qui même, il sera là à la soirée. Inch'Allah. Il sera là à la soirée, donc Elias sera là à la soirée avec sa femme, il vient de la France.
Oui. Il y a tous les VIP aussi qui viennent prier à Kolda. Tous, elles seront là à la soirée. Toutes les VIP de Dakar, elles seront là. Elles seront là à la soirée. Et tous les groupements de femmes qui sont là à Kolda, à Saramoussa, chez moi d'abord, là où je suis né, le quartier m'a vu grandir. J'invite toute la jeunesse de Saramoussa. Et j'invite les Kadjatamba, les bébés, les Ngoné, tous le groupement de table, de qui. Bon, voilà. Et Ami Diarra aussi. Mm-hmm. Voilà. Madna Serif, Doumassou, ouais. Bandaniel, je n'oublie pas le quartier, à Sarekemo jusqu'à quartier Bouna. Donc, toutes mes fans qui sont à Kolda ce jour-là, il y aura une très grande surprise avec Vieux Kanouté. On y a Samakala Ala. Samakala Ala. Non, Samakala Ala. Alors, on va laisser, hein, on va laisser en tout cas voilà. Pour les derniers mots, parce qu'il a voilà. Du boulot à faire. Nous sommes en tout cas dans les temps des répétitions. Voilà. On aura un temps également à aller découvrir les artistes qui au niveau des répétitions. Voilà. Alors, Vieux, le dernier mot, qu'est-ce que tu as en tout cas, le message qu'il va lancer à l'endroit des populations de Kolda. Baba. Kolda n'a qu'à sortir, venir voir autre Vieux Kanouté qui n'est pas le Vieux Kanouté de Kolda. Ils n'ont qu'à venir voir Vieux Kanouté ce jour-là. Ce jour-là, je pense que Kolda va rentrer avec des images à mémoire. Mm-hmm. Images à mémoire, je te dis, c'est pas les écrans, mais images à mémoire. Kala Ngariga Ayalti Ayahi. Baby Aïno, ça c'est Vieux Kanouté qui le dit. Parce que Kolda, c'est mon Kolda. Kolda, c'est ma ville. Comme Ndiaye Kolda. Il faut que Kolda n'a Béalta. Je joue les baptêmes, mariages un peu partout à Kolda. Des fois, je fais ça gratuitement pour les gens. Ces gens-là, s'ils mangent quelque chose, ils ont le droit de sortir par la force. Mais allez. Combien allez-vous? Labi. Labi. Labi Poste. Labi Poste. Merci beaucoup, Vieux. Merci, Baba. Merci, mon frère. Merci. Alors, ça a été un plaisir de recevoir sur ce voilà. Plateau le prince d'Akora, Vieux Kanouté. Alors, l'artiste qui va animer la soirée de lendemain de la Tabaski au niveau du Sijar. Alors, au bas de l'écran également, nous allons vous répéter un peu partout et vous allez en tout cas vous allez voir les numéros de téléphone. Vous aurez également tout ce qui est réservation au bas de l'écran. Alors, vous aurez également la soirée en exclusivité directe sur Test Art TV. Comptez-vous, nos amis de la diaspora, ceux qui seront en tout cas de l'autre côté. Alors, vous aurez également en tout cas l'opportunité de suivre la soirée en direct sur Test Art TV. Merci. Djeringen Djef, bon numéro, Inch'Allah.